J'ai un client qui m'appelle et me dit, voici, j'ai un terrain que je voudrais vendre. Ça m'est venu en succession de mes parents, bien situé dans la ville de Québec, et j'aimerais le vendre parce qu'on peut, les gens pourraient l'acheter pour faire du développement résidentiel. Mais pourquoi je ferais affaire avec vous, Maître Racine, qui est également courtier immobilier, commercial, pourquoi je ferais affaire avec vous plutôt qu'à des grandes firmes de courtage international qui doivent regorger de clients? Alors, la première raison, moi, je ne fais affaire que dans la région métropolitaine de Québec, mais par mon statut de courtier immobilier indépendant des grandes firmes de courtage, je peux les appeler et j'ai un très bon accueil de toutes ces grandes firmes de courtage car elles savent que je ne leur volerai pas leurs clients. Les grandes firmes de courtage ont toutes sortes de services, des services d'évaluation d'immeubles, de location commerciale, de location résidentielle, de gestion. Elles gèrent, ces grandes firmes gèrent bien souvent tous les immeubles d'un fonds de pension, par exemple. Alors, ces grandes firmes-là hésitent. Si vous leur donnez mandat, allez voir les autres firmes de courtage parce qu'ils ne veulent pas se faire voler leurs clients quelque part. Alors qu'avec moi, ils sont safe. C'est certain que je ne leur volerai pas leurs clients car je n'offre pas tous ces services-là. Également, les grandes firmes de courtage apprécient que ce ne soit pas mes assistants ou mes assistantes qui les appellent. Parce que bien souvent, les vedettes de ces grandes firmes de courtage-là, qui sont d'excellents courtiers, ont plusieurs assistants, assistantes, courtiers qui travaillent pour eux autres et qui font les appels téléphoniques, les mises en marché, etc. Mais quand on s'attarde à faire la mise en marché, on trouve d'autres solutions pour un client. On trouve d'autres éléments qui vont nous permettre de mieux vendre. Parce que lorsque j'appelle, moi, des courtiers immobiliers, j'appelle aussi les secteurs corporatifs des banques, qui, eux autres, ont des clients qui veulent financer, qui veulent acheter des maisons, des terrains pour développer des maisons, des terrains pour développer du résidentiel, etc. Alors, il y a beaucoup d'interlocuteurs à parler. Les négociations se font personnelles. Et ce ne sont pas mes assistantes ou mes assistants qui font les négociations, c'est moi-même. Alors, il y a une synergie qui découle de cela et ça me permet de faire des partnerships, des discussions et, un très important, je mets les différents fonds de pension ou propriétaires immobiliers qui veulent acheter le projet, acheter le complexe résidentiel. Je mets tous ces gens-là en compétition, les uns contre les autres afin d'avoir le meilleur prix possible pour le client qui veut vendre. Maintenant, toute transaction doit être agréable et à l'avantage de tous et de toutes. Parfois, l'autre jour, j'avais un client qui m'a demandé, il disait, on pourrait aller plus loin, on pourrait aller plus loin, on va forcer, je sais qu'ils veulent. J'ai dit, non, forcez pas trop. Parce que si l'élastique pète, si l'élastique éclate de ce fonds de pension-là, ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas parce que le directeur du fonds de pension avec qui je négocie ne voudra pas aller devant son supérieur pour lui dire que. Alors, personne ne veut perdre la face dans ces transactions-là. Tout le monde veut être heureux et faire de belles transactions à l'amiable, agréable avec tout le monde. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on peut le travailler. Et pour tout ce qu'on appelle, vous pouvez voir sur mon site, le Private Capital Investment. Il y a énormément de fonds monétaires dans ce temps-ci. Et là, on est en janvier 2, février 2024. Il y a beaucoup de fonds qui cherchent des immeubles dans des secteurs moins courus que Montréal, Toronto, Ottawa, etc. La ville de Québec est un excellent endroit pour ces gens-là parce qu'il y a une stabilité politique et financière qui surpasse toutes les autres villes québécoises et la majorité des grandes villes canadienne. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Allez voir Google, c'est Google qui le dit. Alors, c'est pour ça. Je vous donne un exemple. J'ai un monsieur qui a une compagnie de construction. En fait, il a sa compagnie de construction. Ils vont développer, eux autres, 6 immeubles résidentiels à logement, des 120, 140 logements chacun. Alors, il me dit, j'aimerais ça les développer, mais j'aimerais ça les vendre sur papier. Alors, comme ça, il va chercher une option d'achat sur le terrain qu'il a déjà, et il
présenter ça à des grands propriétaires immobiliers, des fonds de pension, à des services corporatifs, des banques, tant canadiennes qu'américaines. Hein? Parce que pour les Américains, acheter un complexe immobilier coûte, oubliez pas, 35 % à 39 % de moins que chez eux. Alors, ils aiment beaucoup notre dollar, la faiblesse de notre dollar canadien. Alors, ce sont des exemples où on peut travailler ensemble. Alors, n'hésitez pas à m'appeler Jean-Louis Racine. Je suis un courtier immobilier et avocat depuis 46 ans. J'ai pratiqué 10 ans comme avocat dans une des meilleures boîtes, un des meilleurs bureaux d'avocats de Québec. Et depuis 36 ans, je suis courtier immobilier commercial. J'hélas, je ne vends pas de bungalow, je fais seulement du commercial. Alors, n'hésitez pas à m'appeler 1-418-683-0003. On va discuter du projet et vous déciderez si on continue. Merci. Bonne journée.